Frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui trois lectures dont ma qualité d'historien m'oblige à dire, mais ce sera, je vous rassure, la seule remarque historique de la journée, trois lectures qui ont passablement influencé le réformateur Martin Luther, non pas pour la rédaction de ses fameuses 95 thèses, mais pour la rédaction d'une dispute théologique qui s'est tenue en 1518 à Heidelberg et qui a marqué l'avènement, ou plutôt le retour, de cette théologie de la croix qui marquera l'histoire de la Réforme. Le premier texte que je vous propose à la lecture est tiré du livre de l'Exode, au chapitre 33, les versets 18 à 23. Et Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit aussi, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras, mais tu me verras de dos, car ma face ne peut être vue. Nous lisons à présent dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, « montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, « montre-nous le Père » ?»« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous lisons enfin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 1 à 11, qui seront à la base de la prédication. Il faut s'enorgueillir, c'est bien inutile. Pourtant, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, 14 ans auparavant,
Était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Pour cet homme-là, je m'enorgueillirai, mais pour moi, je ne ferai rien valoir, si ce n'est ma faiblesse. Ah, en effet, si je voulais me faire valoir, je ne serais pas insensé, car je ne dirais que la vérité, mais je m'abstiens, pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit de moi et à ce qu'on m'entend dire. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. Et à ce sujet, trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais Dieu m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi ferai-je bien plutôt valoir mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu fou. Vous m'y avez contraint. » Je vous invite à présent à chanter le cantique numéro 297, les strophes 1 à 4. La foi doit se changer.
Prions encore le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour cette parole qui vient de toi. Ô Dieu, Père éternel et tout-puissant, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, tu nous as offert de t'appeler Père en Jésus-Christ. Illumine à présent notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta volonté manifestée dans l'Écriture. Inspire notre cœur afin que nous te sentions proche. Envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint afin que nous puissions rencontrer Jésus-Christ dans cette parole qui vient de toi. Insuffle-nous ton Esprit de vérité afin que nous la connaissions plus profondément et qu'en la connaissant, nous l'aimions plus intensément pour parvenir ainsi à la béatitude du royaume. Chers frères et sœurs, c'est un Paul comme nous ne le voyons ou ne l'imaginons que rarement qu'il nous est donné de lire ce matin. Un Paul bien embarrassé à la vérité. La communauté de Corinthe, cette communauté qu'il a contribué à fonder, à laquelle il voue un attachement tout particulier et à laquelle, vous le savez, il a déjà écrit plusieurs fois, eh bien cette communauté hésite à participer à la collecte destinée à l'église de Jérusalem. C'est donc d'argent qu'il est question à l'arrière-plan de cet extrait, de problèmes bassement matériels en somme, mais des problèmes qui révèlent aussi des difficultés bien plus profondes et donc bien plus graves, car il en va aussi de trahison et de doute. Trahison de ceux de Corinthe qui ont reçu parmi eux d'autres apôtres
des apôtres qui n'ont pas hésité à demander à être payés, des Corinthiens, pour entendre les révélations extraordinaires qu'ils auraient, dit-on, reçues de Dieu. Doute, par conséquent, à l'égard du message de Paul, absent et donc muet. La communauté de Corinthe à laquelle Paul écrit est donc pleine de tentations nouvelles. Elle écoute les affabulations mystiques, les rêveries de nouveaux prophètes illuminés et risque ce faisant de se désolidariser des frères et des sœurs de Jérusalem. Bref, le schisme est à la porte. Or, Paul hésite. Que faire ? Comment parler alors qu'il est absent ? Doit-il prendre en compte les techniques de ses adversaires, se fonder sur leur démarche, en montrant que lui aussi a reçu des révélations, que lui aussi il a entendu Dieu lui parler et que Dieu lui a dévoilé ses mystères ? Certes, il pourrait le faire. Il pourrait se vanter et faire sien les discours de ses adversaires en racontant ses propres extases mystiques. Et il le fait bel et bien, mais en passant, non pas pour essayer de montrer que ses révélations à lui sont encore plus extraordinaires que celles de ses concurrents, mais de manière à montrer à ceux de Corinthe qu'en soi, il n'y a là rien de bien remarquable et que c'est au fond une quasi-banalité. Je connais un homme qui a été transporté au ciel, un homme comme il peut y en avoir d'autres, qui pourront toujours à leur tour raconter tout un tas d'histoires merveilleuses et fantastiques. Ils pourront, comme lui, dater bien précisément le moment de leur vision, 14 ans, rapporter les détails de ce qu'ils ont vu, préciser jusqu'au degré céleste de leur envol et se demander si l'expérience était celle de leur corps ou pas. Mais tout cela, nous dit Paul, n'aura au fond rien de bien original. Car pour Paul, ce qui est important est ailleurs, dans son expérience à lui, une expérience humaine, toute humaine et sans doute trop humaine, diront ses adversaires. Mais qu'importe, cette expérience, c'est la sienne. Et elle a valeur de révélation pour l'entier de la communauté de Corinthe. Une révélation bien plus fondamentale que celle de ces faux prophètes qui abrutissent ses lecteurs d'histoires à dormir debout. Oui, Paul a connu, lui aussi, des expériences extatiques. Il parle en langue, il a vu Dieu et il en a même reçu ses révélations. Mais parce que ces révélations étaient extraordinaires, écrit-il, pour m'éviter tout orgueil, Dieu m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. C'est de l'expérience de la souffrance, du doute qui continue de se manifester à lui au moment même où il écrit que Paul veut parler pour convaincre ses lecteurs. Alors on a spéculé sur cette écharde, sur la réalité historique à laquelle elle renvoyait, et il y a sans doute autant d'explications que de commentateurs. Certains y ont vu les doutes que Paul ressentait dans sa foi. D'autres y ont décelé un sentiment d'impuissance face à son peuple, celui d'Israël, et à son refus de se convertir à l'Évangile. D'autres enfin y ont vu le signe de souffrance physique, voire même des tentations de la chair. Mais tout cela, au fond, n'a pas plus d'importance que le contenu précis des révélations reçues par Paul lorsqu'il était au septième ciel. Ce qui compte, c'est que Paul, l'apôtre des nations, appelé par la volonté de Dieu, comme il l'écrit souvent, Paul, le champion de la foi, doute, tremble et vacille. Or Dieu, dans cette faiblesse, lui parle. Et cette parole n'est pas celle qu'entend Paul dans le ciel. Non, c'est une parole bien terrestre, celle-là. Trop terrestre, diraient même d'aucuns. Une parole qui retentit dans son existence, au cœur de son doute et de sa souffrance. Et une parole qui, de surcroît, n'a rien
pour l'encourager et lui promettre un lendemain meilleur. Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Cette réponse de Dieu à Paul se trouve formulée au parfait. Au rang grec, le parfait, si je me souviens bien de mes cours de grammaire, c'est le temps qui permet de souligner une réalité qui est advenue autrefois, mais qui conserve toute sa validité dans le présent. Dieu m'a déclaré une fois pour toutes, de manière permanente, quelle était et quelle est sa réponse à ma faiblesse, à mes doutes. Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. C'est ainsi, je n'ai rien à ajouter. Dieu a donc choisi la faiblesse pour se révéler dans toute sa force et sa puissance. Ce faisant, vous l'aurez compris, Paul nous renvoie naturellement à ce qui fait le fondement de sa pensée, de son action et de sa foi, la croix de Jésus-Christ. Cette croix sur laquelle, il l'a déjà écrit maintes fois aux Corinthiens, toutes les évidences humaines se trouvent révélées comme des folies. La croix sur laquelle toutes les prétentions de l'homme à saisir qui est Dieu viennent se fracasser. Notre texte rejoint donc les autres lectures de ce jour. Il renvoie bien sûr à l'expérience de Moïse qui veut voir Dieu en pleine majesté, mais à qui Dieu tourne finalement le dos. Il renvoie aussi à l'histoire de Philippe dans l'extrait de l'évangile de Jean. « Montre-nous le Père !» demande Philippe, et Christ de lui répondre « Qui me voit, voit le Père. » Nous ne pouvons saisir Dieu. Nous ne pouvons le maîtriser et le plier à nos besoins. La seule chose que nous puissions faire, c'est de regarder Jésus-Christ. Or, ce que Paul voit en Jésus, ce n'est pas d'abord le prophète ou l'enseignant d'une morale sans faille, ni le petit enfant dont la naissance fut annoncée par les anges, ni même, il faut le dire, le ressuscité. Non, quand Paul pense au Christ, c'est d'abord à l'homme crucifié, cet homme en qui Dieu, paradoxalement, se révèle au monde. Car c'est bien le Christ qui se trouve derrière le texte de Paul que nous venons d'entendre. Comme le Christ à Gethsémani, demandant trois fois au Père d'éloigner cette coupe de douleur de sa bouche, Paul, à son tour, demande en effet trois fois à Dieu de le libérer de son écharde. Or, écharde, en grec, se dit skolops, ce qui peut aussi signifier la croix. Naturellement, Paul n'entend pas se faire Christ contre ses adversaires pour se parer de la gloire de son Seigneur et les renvoyer ainsi dans les cordes. Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais Christ et Christ crucifié, comme il l'a écrit un peu plus tôt aux Corinthiens. Non, ce qu'il cherche à faire, c'est de montrer à ses lecteurs que la vie du croyant, la sienne comme la nôtre, se trouve tout entière marquée du sceau de la croix, c'est-à-dire conditionnée par l'échec, par le doute, par la faiblesse, et que Dieu se révèle dans cette faiblesse. Alors il ne s'agit pas ici de donner dans le dolorisme, là où d'autres donneraient dans l'angélisme mystique, mais de rester attentif à une réalité tout autre. La mort de Dieu sur la croix est un renversement de toutes les réalités terrestres. Nous attendons Dieu en majesté, nous le trouvons faible et sans force. Nous nous glorifions de nos révélations, cela n'a pas d'importance. Nous nous attendions à être libérés du doute par la foi, le doute continue bel et bien de nous assaillir. Pire, Paul nous dit que c'est dans la faiblesse, dans ce doute, que Dieu se manifeste pleinement à nous. Le message de Paul est donc clair. Inutile de vous acharner à vous valoriser, inutile de vous construire une image bien polissée de chrétien à la réussite facile, inutile de vous dire que vous avez reçu des révélations merveilleuses et surnaturelles pour vous justifier de ne pas payer la collecte, vous serez toujours contraint de voir vos belles constructions se fracasser contre la croix de Vendredi Saint. C'est ce que Paul
veut dire, je crois, à ses lecteurs de Corinthe. Paul, l'apôtre des nations, l'ancien persécuteur des chrétiens converti par Dieu, doute, tremble et vacille. Mais c'est justement dans ce doute, dans cette angoisse, que Dieu le rejoint et se montre tel qu'il est en Jésus-Christ. Amour de l'homme jusque dans la mort, l'échec et précisément la faiblesse. C'est pourquoi Paul peut affirmer se réjouir de ses faiblesses, des insultes et des persécutions qu'il a à subir de la part de ceux qui autrefois l'écoutaient. Car la puissance, la vraie, celle de Dieu, n'appartient pas aux possibilités des hommes. La maîtrise ne nous garantira jamais rien. La seule chose dont le croyant peut s'assurer, c'est de la grâce de Dieu, cette grâce qui n'est que folie aux yeux du monde. Voilà pourquoi Paul, celui qui se déclarait en ouverture de sa lettre « apôtre du Messie Jésus par la volonté de Dieu », conclut à l'intention des Corinthiens « me voilà devenu fou ». Certes, pareil texte n'a rien de bien surprenant pour nous autres protestants historiques, si vous me permettez cette expression. Il est facile de comprendre que les affabulations mystiques ne signifient rien en elles-mêmes et que probablement elles doivent plus à une forme de dérive psychologique qu'à une véritable inspiration, et ce, même si nos églises protestantes de France connaissent maintenant à nouveau elles aussi ce type de comportement. Mais ce n'est pas ici qu'il me faut insister sur ce point. Non, la question que ce texte nous pose se trouve ailleurs, car elle questionne en réalité notre attitude de chrétiens face au monde. Sommes-nous réellement à même de comprendre le message que nous venons d'entendre et de le porter devant le monde aujourd'hui? Car si nous suivons la logique de Paul ce matin, nous devons alors reconnaître que ce discours renverse précisément tous les discours qui chercherait à donner une apparence de respectabilité à notre message pour les femmes et les hommes de notre temps. Nous devons comprendre que toutes nos tentatives de rendre notre discours acceptable à nos contemporains, de le vendre selon les critères de la communication et de l'efficacité, seront toujours vaines, car elles apparaîtront toujours comme une folie aux yeux de ceux qui voudront le juger à l'aune du succès, de la réussite et du bonheur. Et ce, en raison même de la croix, cette folie aux yeux du monde. Certes, la tentation est grande de vouloir chercher à convaincre nos contemporains que nous sommes une Église vivante, sympathique, active, jeune et belle. Et nous en aurons encore un bel exemple dans une semaine, lorsque plusieurs milliers de protestants afflueront ici à Paris pour célébrer Protestants en fête. Nous pourrons alors nous rassurer, nous dire que nous sommes encore bien nombreux, malgré les statistiques, que nous sommes encore jeunes, malgré les chiffres des sociologues, et nous aurons probablement raison, du moins en partie. Mais ne nous y trompons pas. Nous pourrons toujours jouer à l'Église de prospérité, respecter et reprendre les recettes de nos frères et sœurs évangéliques, changer nos orgues pour des batteries et nos sermons pour des témoignages de conversion. Nous ne manquerons pas de sentir à nouveau cette épine, cette écharde fichée dans notre chair et de nous rappeler que notre Église, comme toutes les Églises et comme toutes les réalités humaines, est mortelle, pauvre et faible. Mais Paul, justement, vient nous dire que c'est précisément dans cette faiblesse que se manifeste la force de Dieu et que Dieu ne nous y abandonne pas, car c'est alors que nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est alors que nous sommes pleins de doutes et que l'angoisse nous saisit, que nous sommes à même d'entendre la parole qui nous est adressée. N'aie pas peur, tu comptes pour moi. Alors cesse de t'inquiéter, cesse de vouloir maîtriser ton destin. Accepte-le, vis-le pleinement, simplement. Ma grâce te suffit. Mais alors me direz-vous, que faire ? Faut-il ne pas participer aux festivités du week-end prochain et rester tranquillement chez soi? Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici de plaider pour ou contre une manifestation bien particulière,
mais de se rappeler le message de l'Évangile. Et il ne s'agit surtout pas de plaider pour un désengagement, alors que d'autres, suivez mon regard, occupent la scène médiatique et nous parlent de leur communauté jeune, belle, saine et convertie. Non, il s'agit simplement de chercher à s'engager vraiment, de chercher à témoigner en parole et en acte pour annoncer l'essentiel, une parole au fond toute simple, de grâce, d'amour et de joie. Car la joie ne nous est pas interdite, bien au contraire. Mais la joie dont parle l'Évangile, c'est autre chose que la fête pure et simple. La joie ne naît pas de la satisfaction de réussir quelque chose, mais du fait de se savoir aimé envers et contre tout. La joie, ce n'est donc pas l'effacement de nos tracas, mais un regard différent porté sur ces derniers, et qui nous fait les percevoir comme quelque chose en quoi peut se révéler une parole d'autant plus forte que nous sommes faibles. « Ma grâce te suffit », jusque dans le doute, jusqu'à ce moment précis où nous doutons de Dieu même. Oui, chers frères et sœurs, l'Évangile ne nous promet pas que l'épine qui torture notre pied sera un jour enlevée. Il ne nous promet pas que notre Église protestante, bientôt vieille de 5 siècles, ne mourra pas, et que si nous y mettons d'une autre, tout ira mieux. Non, l'Évangile nous dit simplement que l'écharde dans notre chair peut aussi devenir une promesse, que c'est alors que nous doutons de notre avenir en tant que communauté que nous pouvons rencontrer Dieu vraiment. Car c'est précisément là, dans notre doute et notre faiblesse, que nous sommes à même d'entendre sa parole pour nous, pas dans le succès, pas forcément quand tout va bien, comme nous, quand nous sommes en phase, mais justement quand nous sommes dans le doute et que nous l'assumons. Car cette épine nous rappelle notre humanité profonde, ses manques, ses fêlures, et le fait que Dieu les comprend, car il les a vécues jusqu'au bout, sur la croix. Certes, ce discours risque bien d'apparaître comme une folie à bien de nos contemporains, mais il n'y en a, je crois, pas d'autre qui vaille. Car c'est précisément au fond cela que Paul nous demande de devenir. Des fous de Dieu, des fous pour Dieu. Des fous, ou plutôt, si vous préférez, des excentriques. Oui, nous sommes des excentriques, parce que justement, Dieu ne cesse de nous décentrer, de nous excentrer par rapport à nous-mêmes et à nos préoccupations comme à nos satisfactions, pour nous tourner vers autre chose, son amour, qui, lui, n'a pas de fin. Alors, soyons fous et surtout, réjouissons-nous. Amen.